Et bien salut tout le monde, c'est XVSK, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau let's play, cette fois-ci sur South Park, l'anal du destin, qui a fait beaucoup parler de lui récemment, notamment par rapport à la VF du jeu. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas donc la vraie VF, nous avons des acteurs qui essayent d'imiter les voix originales de la série South Park tout simplement. Et il faut avouer que ça rend pas génial, hein. Donc résultat, j'ai décidé que ce jeu se ferait en VOSTFR et il n'y aura pas de retour là-dessus, je suis désolé, mais c'est simple, soit c'est la vraie VF, soit c'est l'anglais, parce que de toute façon la version anglaise est de qualité tout aussi bien, donc voilà, franchement j'ai regardé un peu ce que donnait la VF modifiée on va dire, et non, clairement non, je veux pas, je veux pas. Donc voilà, maintenant pour ceux qui appelleraient au boycott du jeu parce qu'il n'y a pas la VF, ça serait quand même dommage de vous arrêter à ça, hein, parce que il faut quand même avouer que South Park, depuis que Ubisoft a relancé la licence, a quand même fait un bâton de la vérité de très grande qualité, donc ça serait dommage de vous arrêter à la VF toute broken, toute pas originale, juste parce que vous n'aimez pas ça, quoi. Allez, maintenant on va peut-être parler. On va se lancer. Let's go. Nouvelle partie. Bon, on est sur PS4, hein. Je pense que c'était inutile de vous le dire, hein, parce que vous avez vu les touches. Hein. D'ailleurs, cette version n'est pas censurée en Europe, contrairement à la première. Ah. Become of this city. There used to be laws, justice, not anymore. Crime is out of control, cats are missing, and townspeople are being victimized. Oh, hey, who pooped on my porch? What's going on with you? Whoa, whoa! We were supposed to protect those who couldn't protect themselves. Get off my car, you little pecker! Now superheroes are torn apart by political differences. We are two sides at war. But war isn't going to save our city. Time travel is my only hope now. Myths tell of ancient times. When a new king united a kingdom, torn apart by a powerful stick. Hi, hon. Shut up, ma'am. There's no time to waste. I have to go back, change the present if I can, and find his cat. And in doing so, perhaps I can change what has happened to all of us. Donc voilà, comme je le disais, cet épisode-ci n'est pas censuré en Europe, contrairement au bâton de la vérité qui avait été censuré sauf sur PC. En Europe, bah ça va pourquoi. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a comme customisation? On peut choisir... On peut jouer... Est-ce qu'il y a la coiffe des émogothiques? Allez, vends-moi du rêve. Oh là, dis donc, mais il y a combien de coiffures dans le jeu? Mon dieu, c'est quoi tout ça? Comme ça, non. Alors, je pense qu'on va rester une heure et demie dans le créateur de personnages. Bon, attendez. On peut y mettre du maquillage. Non. Fluidité faciale. Vas-y, mal rasé. De toute façon, je suppose qu'on pourra changer plus tard. Ah non, pas de lunettes. Alors, les vêtements.
Je veux une cape rouge. Avec un t-shirt noir, parce que c'est basique. On peut pas changer le pantalon? Ok. Ah, un petit peu déçu. Et des gants rouges. Ouais. Bon, maintenant faut y trouver une petite coupe de cheveux sympa. Ah mais oui, c'est vrai, la coupe émogothique on l'a uniquement. Avec les cheveux rouges. Ouais, vas-y. Ouais, pas dégueu. À moins qu'on part comme Soda Popine. On lui met les cheveux roses. Non, rouge c'était bien. Rouge c'était bien, j'aimais bien. Voilà. Mais du coup la pilosité, est-ce qu'on peut la changer? Est-ce qu'on peut changer la couleur de la barbe? Ah ouais, on peut. Ah non, on peut pas. Non, ça lui va vraiment pas en fait. On va faire un gamin normal, je pense. Choisis la difficulté. What? Don't worry, this doesn't affect combat. Just every other aspect of your whole life. What? Ça affecte pas le combat, juste chaque aspect de ta vie. Alors pourquoi est-ce que quand on est blanc, on est en mode facile, et quand on est en mode black, on est en mode très difficile? Je sais pas, il l'avait mis là, donc je suppose que c'est mode normal, mais bon. Vas-y, hein. Maître de la grosse commission. Ah, ils sont pas sérieux. Ça a à peine commencé que... Oh non, sérieux. Ok. Wow. Carrément. Ok, on a plus le truc pour tirer. On dirait pas, non. Quelque chose... On attend des parents qui sont en train de s'engueuler. Ça pue, ça. We should be happy that he's made friends in this town so quickly. We came here to hide. More friends just means more trouble. You're being paranoid. You need to lay off that stuff. It's changing you. Oh, lay off! It's the one thing that helps me relax from your stupid shit! Oh, hey, whippersnapper. Didn't see you there. Your friends are downstairs, kiddo. Get out there and play. Yeah. Ok. Oh. Quelque chose ici. Oula, tout ce que j'ai loot. Ok, on peut taper ça. Y'a rien qui tombe. Ok. Y'a rien. What? Ok. Pack de cartes à jouer, déchets. Alors. On va tout prendre. Voilà. Du coup, j'appuie là. Y a pas un système d'inventaire normalement? Attendez. Si. Inventaire.
Wow, c'est quoi ce nouvel inventaire? Attendez, création. Qu'est-ce que c'est que ça? Condensateur à cristaux. Wow. L'âme cachée nécessite rang 11 de créateur. C'est... Je peux pas changer de costume? Pourtant il est... What? Qu'est-ce que c'est que ça? Consommable, objet de mission. Ok, bon bah je pense qu'au bout d'un moment on pourra changer, je suis pas sûr. Parce que là on peut pas avoir accès au costume, au consommable, là, je comprends pas trop pourquoi d'ailleurs. Donc c'est pas grave, allez, on va continuer. On va aller voir ce que nos potes nous veulent. Donc du coup c'est toujours le même personnage par rapport au premier épisode, hein, pour ceux qui l'avaient remarqué. Qu'est-ce qu'il y a maman? Pourquoi tu chiales? La dernière fois je vous ai vu baiser avec papa. Tiens maman. Tiens. Your friends are at the front door, honey. Go outside and play. Oui, j'arrive. Laissez-moi looter d'abord. My lord, the filthy Moorish are attempting to overtake Koopa Keep. You gotta come back, my liege. You're our only hope. My lord, come on, dude. What, you just moved to town and you get to be king? Well, I think you're a little pussy. Knock him out, king! Alors, appuyez sur carré pour utiliser son pouvoir. What? D'accord. Les pouvoirs dotés de repoussement peuvent causer des dégâts supplémentaires. Oh là là, ils ont un bien. J'ai pas le temps de lire. Ok. Boom. We can't stop him. Ready the guards of the Dark Court. Wow, did you see that? The king's amazing. His powers are unparalleled. Can't take us all on. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Attaquer un ennemi en premier accorde l'avantage. Oui, ça on est au courant. Pour avoir l'ordre complet des tours de combat, consulte les chronologies en bas à droite de l'écran. Ok. Différents pouvoirs peuvent affecter différentes zones de la grille de combat. Tu peux visualiser la portée d'un pouvoir en consultant le schéma sous l'icône. Ah, ok. Si je fais ça. Oh, Jesus Christ! Oh, the humanity! It's fine, they're the bad guys. Oh, yeah! Go, King! You can't keep the Moors down! Ah, mais en fait, ils doivent venir sur ma case pour... D'accord. Ah, je crois, j'ai bien compris. Attendez, annulé. Je peux plus utiliser. Merde, tu aurais peut-être dû taper d'abord. Comme ça, il serait venu. Pussies. The Moors will triumph. Our king is undefeatable. Alors, du coup, c'est l'heure du pet. Your king's too powerful. Our king shrugs off your puny blows. Peut-être pas déconner quand même là. je vais peut-être taper le plus gros. Allez, à ton tour. Bon, ça va, je meurs pas. Non, je suis le roi. Meurs. Let's go. We got to get inside Karma's house.
Samurai Lord. They need our help. Stand aside or die. We're going through that door. You can't. Oh, yeah? Why not? Because everything in front of here is lava. Oh, dude, no way. All that is lava? Yep, everything from here to here is lava. You can't cross it. Shit! Come on, let's get inside. We can't. They're seeing everything in front of the door is lava. Oh, that's not fair. What do we do, the king? What do you do now? You die. Release the dragon! A dragon? We're fucked. Des ennemis peuvent tenter de t'attaquer. Si un ennemi te tend une embuscade, il entame automatiquement le premier tour du combat. Oui, j'étais au courant, merci. Boum! Où il sort, lui? Nine! Ouais, vas-y, tu l'as aussi! Attends, les cellules assurées indiquent la zone. Déplace-toi! Oh, on peut les esquiver! Justement, il va prendre là, non? Damn it! Okay, if you get a fire breath attack, our king gets his hammer of heavenly rain. You can't stop the kick! Car! Stay out of the street, damn kids! Clear! Pas le toucher d'ici, mais ça m'indique que c'est deux cases en avant. Ah, non, c'est qu'une case, d'accord. Je pensais que c'était deux. Ça va le one shot? Oh my god, he defeated the dragon! No freaking way! That kid's amazing! If there is a way in through the garage, the king will find it. Yes, only the king can find the secret way in through the garage. If there is one. Yes, only the king with his infinite wisdom and strength can get past this impassable barrier. Go ahead, your highness. Use your unparalleled intellect to figure out a way in. Ouais. Could we keep us through here, my lord? Ah mince! Je voulais que je le mette sur le côté, j'avais pas vu. Je pensais que j'avais pas vu le premier plan. Ah oui, voilà. C'était marqué par terre en plus, c'est le pire. Ouais. Pourquoi je peux pas monter? Hurry, my lord. They need our help. Voilà. King Goosebag is such a skillful warrior. Did you see how he moved that ladder and used it to climb up? He truly is the most powerful king in all the realms. Oh, that seems amazing. I thought the king was going to do a sweet jump, but then he just did that. You're dead. Speak, Bard. What happened to the stick of truth? The wizard had it thrown into the ocean. Lies! You shall feel the wrath of the Moorish! Unhand him, you heathens! Release the bardo, you'll have the king to deal with! The king? They say he can slay a dragon with one blow. That's right, and if you don't... Wait, where is the wizard? I thought he was with you guys. Now we got a distress signal to come help him here. The wizard is gone! My name is the king. I'm from the future. Dude, we said we're not playing that anymore. Yeah, we're all split up. What's the point? This is the point!
In my time, there is a massive crime wave and missing cats. I knew my only hope was to assemble the team. Hey, you can't switch games like this. Where's the stick of truth? Shut up, Kevin. This isn't about some dumb stick. There's a cat in trouble, and it's the key to finding the crime syndicate new to our town. In the future. Crime syndicate? That sounds too heavy for Coon and friends. Well, what do you want, Clyde? You want the fucking Freedom Pals to find the missing cat? Get the $100 reward and make their superhero franchise more popular? Fuck the Freedom Pals, dude. That's right. Poopsikins! There's a loud ringing coming from your basement playroom! The Coon Alert! Come on, Coon friends! Go get your stuff and report back to the Coon Lair! In the future, Coon and friends assemble! Sorry guys, you can't play with us. We're playing superheroes now and you guys are dorks. Well, nothing left to do but go home and play Star Trek Bridge Crew. Star Trek Bridge Crew. Maybe we can play our own game. Like, I don't know. I've been thinking about joining a gang. This might be just the kick in the pants I need. C'est vrai que son gang. Y'a rien ici? Je sais pas, je pensais que j'aurais peut-être pu. Non. Pas mal à quoi, la petite référence à Star Trek Bridge Crew. Qui est aussi un jeu Ubisoft au passage. Du coup, y'a rien ici. Non, on dirait qu'il y a rien. Bon. Pas mal l'orque aussi en mode le sextoy. Allez, bon bah du coup on doit y aller hein. On va aller rejoindre les coons. Oh hello. The boys are down in their little basement playroom. Oh my, look what you can do. Goodness. Oh my goodness, let's blame the dog. Oh my. Oh, somebody made a stinky winky. Goodness, I think we need to air out the house. Oh, somebody made a stink. Bon, allons fouiller la chambre de Cartman. Oh, le chat. Alors, est-ce qu'on va trouver un dildo dans la merde dans la chambre de la mère à Cartman? Ah bah, il est déjà là, le dildo. Il est juste là, bordel! T'aurais pu le cacher ailleurs. Lubrifiant personnel, médicaments, mais ils sont sérieux! Ils sont sérieux! Lubrifiant personnel, quoi. Oh mon dieu, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, j'en peux plus. Quoi? C'est pas possible. Crotte pincée, attendez, il a ramassé sa merde. Non. Non. C'est pas possible. Pour dégommer les objets fissurés, ok. Alors le journal intime de Cartman. Ouais, bah bon, on va lire les trucs quoi. Shitlist Kyle. PC principal. Oh mon dieu! Mon dieu, mais il rêve! C'est quoi ce truc? Ah! Ah! K-code, fuck you mom. Ah, d'accord, en gros, fallait le code pour pouvoir passer en bas en fait. Il est dégueulasse, sérieux.
Ouais, franchement, il a déjà l'air excellent. Dès les premières minutes, il est déjà excellent, quoi. Tu sens déjà toute l'inspiration sous par derrière, quoi. Yes, officer. Somebody appears to have put lava in front of my door. Well, no, it's not hot, but my son told me I will burn to death if I try and cross it. Uh-huh. Oh, yes, he did tell me that if I step on a crack, it would break my mother's back. It won't. Alors. Fuck. Non. 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 You. Mom. Maybe we should go to Raisins and see if the waitresses know anything. That's not enough, Mosquito. We have to act fast before the Freedom Pals can. $100 reward. Do you know what that could mean to our superhero franchise? That cat looks pretty old. Maybe it just died in the gutter somewhere. Human Kite, do I have to remind you that as of right now, Freedom Pals have 100 followers on Instagram? We have 6! The 5 of us and Billy Turner, who's a ginger. This is the key to finally beating those fuckers! But where do we start looking? That cat could be anywhere. We need to split up. Mosquito, take to the air and check out all the city parks. You got it! Mosquito, away! Human Kite, see if the cat is stuck up a tree somewhere. You've got the storm drain, Super Craig. Woo! Super Craig! Fast Pass, I need you to use your superhuman speed to get to the mayor's office and tell her we're on the case. Don't worry, Coon. You can count on Fast Pass to get there fast. Excuse me. Hey! Do not touch that! That device can blow up the entire Milky Way galaxy! Jesus fuck! Mom! The new kid is trying to play with the Cube of Ultimate Destruction! You be nice to all your friends, Eric. Be a good sharer. Good sharer? It'll blow up the fucking galaxies! Stupid bitch! Look, dude, we already told you, you can't play. You aren't a superhero. You don't have a costume. You don't have any superpowers. Alright, look, you can watch us play superheroes as long as you don't get in the way. Make yourself useful. Go grab me. You touch it again and we all fucking die! Hey, I told you not to fuck with that! Mm-hmm. D'accord. Objet clé. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc maintenant? Y'a rien là. Well, that took long enough. Is the fantasy device active? You really want to be a superhero, huh? Play with the big boys? Well, maybe. Maybe you can be useful. Have a seat at the table, douchebag. Let's see, Mosquito's ABLs. Jesus Christ, are these even in a human language? Alright, in order to play superheroes, you have to have a superhero persona. Then you can fill out your character sheet on Coonstagram. Do you have a Coonstagram page? Oh boy, you're not even on Coonstagram, huh? Well, I guess I can create one for you. Fucking unbelievable, let's see. So the first thing we need to fill out on your character sheet is your class. You know, what kind of superhero are you? Since you're a newbie, you can only choose between 3 for now. Brutalist. Alors, le brutaliste, c'est un bagarreur au corps à corps spécialisé dans les blessures au poing. Ouais, non. Speedster. Je crois que je sers ça, exploseur. Un exploseur ne se contente pas de regarder le monde brûler, il en a eu la première étincelle. Ça a l'air pas mal, ils sont mortels à n'importe quelle distance. Ah, attendez, il y a des loups. Ouais, non. Vas-y. Okay, douchebag, but now, we need to find out what terrible thing in your past drives you. You see, douche, all superheroes have a compelling backstory. It's from that backstory that their powers gain meaning. Let's take you back to when you were just a child. You lay awake that night, like so many other nights. You couldn't sleep because you knew you weren't like the other kids. You walked to the mirror.
You walked to the mirror. Over there, the mirror. Just, okay, just walk up. No, not there. Not... God damn it. Oh my God! You looked in the mirror and you felt alone. And that's when it happened. A loud noise. You swore you could hear your mother calling for help. You left your room. Out in the hallway, you saw two intruders in front of your parents' door. You had to stop them from hurting your parents. You knew you had the power to stop them, so for the first time, you called upon your blaster powers. As a blazing blaster hero, you began to overheat as the fire in your belly ignited. You wasted no time delivering sick burns into the villains before you. You fried the bad guy. As the flames cleared, the intruders realized what they were up against. Shit, this little flamer means business! Didn't your mom tell you not to play with fire? The intruders moved in to attack! You've left us no choice, kid! With the enemies closing in, you gave yourself some space by knocking your foes back! But the intruders wouldn't take getting pushed around lightly. Hey, you can't push us around like that! Little did they know, they set themselves up for destruction. So much range! I'll just get out of the way. His comrade fallen. The extra ugly one closed in. Not so hot now, you little flamer. Yeah, we showed him. You were gravely injured, but the intruder's blows only awakened the fires that burned within you. You swallowed the pain and unleashed your ultimate attack. And so you beat them. All seemed to be okay. But then you finally reached your parents' door. And what you saw when you opened that door changed your life forever and led you to fighting crime. You were too late. Because when you opened that door, you saw your dad fuck your mom. Wow, that's a pretty heavy backstory. You fight crime because you never forgot the night you weren't in time. And you saw your own father, the man you trusted, fuck your mom. It's like a ripple in time you can't ever change, isn't it? All right, now that you're a superhero, I have a mission for you. I need you to go out into town and try to get as many followers as you can on Coonstagram. It's the only way our franchise will survive. Okay. Bon, du coup, maintenant, on a accès à l'inventaire, ou pas? À costume, peut-être. Y a un avantage à porter ces machins, ou pas? Parce que là, je vois pas de statistiques. Lol. T'es arrivé à la coiffeur, Princesse Kenny. Eh, d'ailleurs, elle est où, ma coiffe démogothique, là? Ah, là, voilà. Oh mon Dieu, c'est moche. Oh! Vas-y. On peut changer la couleur? Ah ouais, on peut. Bon, c'est bien, non? Quoique non, on va inverser.
On va mettre en noir et on va mettre des reflets rouges. Voilà. On verra bien ce que ça donnera. Et du coup, qu'est-ce qu'on a main? Bah, en fait, ça change rien là, on dirait. On dirait qu'il n'y a pas de statistiques. Bon, de toute façon, quitte à pas avoir de statistiques, hein. Je vais te dire. Autant partir en tuile Assassin's Creed. Voilà. Lunettes, y'a rien. Maquillage accentué, c'est quoi ça? Un gros goth. Non, c'est nul. Voilà. Fiche de perso. Ta fiche de perso suit ta progression tout au long. Ok, collecte 25 artefacts. Gagne des titres pour renseigner ta fiche de perso. Tu obtiendras de l'expérience et le Kun te gratifiera d'une récompense dans le coffre à jouets de ta chambre. Source d'énergie anale. Oh putain. Mais merde. Qu'est-ce qu'ils avaient fumé ce jour-là? Ah, y'a un vendeur? Hello, it's me, the King Store. I have new super sweet inventory. Ok. Ouais, artefacts, consommables. Y'a pas un truc pour pouvoir vendre des trucs inutiles? Ah bah apparemment rien n'est inutile. Get back. King Store online. Paye. Oh, ce rip-off de... Tenue rock, tenue ma... Ça, ça si jamais... Fait une autre classe, mais bon. Bon, ça attendra. On va s'arrêter ici. En tout cas, ça annonce du bon. Enfin, déjà, le début est vraiment bien, je trouve. Maintenant, j'avoue que le système de cases est un peu perturbant. Hein. Avant, on avait un petit système tour par tour, même si ça reste tour par tour. Mais maintenant, on a une dimension 3D, hein, si on peut dire ça. Avec les cases. Donc on va voir ce que ça donnera dans les prochains épisodes. Alors sur ce, les loups, je vous laisse. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre drôle. N'oubliez pas d'avoir la... attitude. Comme d'habitude, je suis pour le cul. Vous connaissez la chanson, connaissez Eric, connaissez le dicton. Je vous laisse. Je vous fais plein de poutous partout. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao, bye, bouti bouti. Et que l'amour des pubers soit avec vous. Peace.